de faire sur ta peinture. Qu'est-ce que je te demande? L'expérience que nous partageons tous face aux chefs-d'œuvre est qu'ils sont souvent exposés et installés de manière à ce qu'on les respecte, on les sacralise, qu'on n'ait rien à dire dessus et qu'on soit en face de la beauté à l'accepter. Mais il m'est apparu assez rapidement que ce serait intéressant d'aller me confronter au Louvre. C'est-à-dire au Louvre, c'est-à-dire dans le temple absolu. Alors les Fuckmet, qui est la série que je fais actuellement, font partie d'une grande série qui s'appelle Analogie. L'analogie, pour revenir d'une façon simple dessus, c'est telle forme me rappelle telle autre. Alors la raison d'être des analogies et de cette forme m'en rappelle une autre, c'est le fameux voir ça savoir. Puisque finalement, quand on regarde quelque chose, on n'est pas sûr de ce qu'on regarde et on ne sait rien. En permanence, on ne sait rien et toute chose nous fait penser à une autre. C'est pas vraiment une copie, c'est plutôt une appropriation, puisqu'elle est faite rapidement. Elle est un peu olé olé. Alors ça m'a permis notamment de recôtoyer ces autres artistes et de m'apercevoir que en fait, il y en a pas mal qui sont assez petits bras. Et tous, sans exception, savonnent pas mal de parties de leur tableau. Alors, quand je parle de petits bras, c'est un terme sportif qui s'emploie, je crois, au tennis, qui est le fait de ne pas lâcher son geste.
Et comme pour moi, la peinture est un corps pensant, traçant, quand on lâche pas le geste, on est hors propos. Pour ce qui est de Savonnet, je dirais que c'est un rapport au travail. C'est-à-dire que dès qu'un individu se met à travailler, il essaye de s'en sortir le mieux possible. Une fois qu'il a plus d'énergie ou plus d'imagination, et dans ce cas-là, il savonne. Les Fuckmets, ce n'est évidemment pas une réinterprétation de l'œuvre originale, ce n'est pas ma vision particulière de l'œuvre originale, c'est une dérive. Ça consiste à ne plus savoir où on est, à faire son petit trajet habituel pourtant, mais à le regarder d'un autre œil, à se laisser dériver comme un bateau à la dérive. Il n'est pas question d'aller fucker les maîtres, qui sont d'ailleurs pour la plupart morts. Il est question plutôt d'un rapport amical, d'un rapport amoureux, avec tout ce qui nous a précédés. Et en fait, ce serait plutôt faire l'amour à. Il faut entendre fuck par faire l'amour à. Le Delacroix a été fini dans son atelier, au sol, et il m'a paru important, vu sa taille, de faire monter le public sur la toile même. Ah non, parce que quand tu marches dessus, tu comprends ce que je fais. Hein? Si on enlève les... Ah oui.
Et puis vous pouvez monter dessus aussi. Tout ce que je vous demande, c'est d'enlever vos chaussures. Ce qui permettait de faire comprendre au public le fait qu'il n'y a plus de perspective quand on est debout sur un tableau à se déplacer. On est comme dans un paysage, on se promène, on n'est plus dans une vision sacralisée et dans un point de vue. Il n'y a plus de point de vue. Quand on marche sur un tableau et qu'on tourne en rond sur le tableau ou qu'on le fait tourner, on laisse le temps s'écouler. Et l'histoire de la peinture, c'est aussi et avant tout une histoire de temps. Plus il transgressait, plus il se mettait à voir, et plus il se mettait à voir, plus il se mettait à penser. Et finalement, ça leur a, je pense, créé pas mal de liberté et foutu un grand boxon dans leurs habitudes de regard. Et là, tu n'avais pas vu un espèce de Ingres avec la grande Odette. C'est vrai. Et cette participation du public, ce travail avec le public ou en face du public, loin d'être une action culturelle, devient beaucoup plus une action de déconstruction culturelle. Et la première personne que je désacralise dans cette affaire, c'est moi. L'un des buts que je m'étais fixé le jour de mes 20 ans et auquel je reviens régulièrement quand je ne sais plus où j'en suis. D'ailleurs, je reviens à ces premiers buts. Je crois d'ailleurs que quand justement cet acte d'avoir décidé de devenir un artiste à 20 ans, je le reprends régulièrement quand je suis un peu perdu. Je reprends le pourquoi de cet acte-là. Et l'un des buts était quand même d'essayer d'échapper à mon affect, à mes sensibilités, de les découvrir, certes, mais pour les casser, pour aller voir ailleurs, voir comment j'ai le temps d'aller voir ailleurs. Vous l'avez emporté, ça.
C'est pas un vrai combat. En fait, en résumé, tout ce que je fais du côté analogique, qui sont donc axés sur cette absence de perspective, donc axés sur ce souvenir de la modernité, les Picasso, Malevich, Duchamp, Kandinsky, 1907-1914, dans lequel je veux m'inscrire, dans lequel je pense que je me suis inscrit, a finalement une conclusion assez amusante, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ça n'intéresse absolument personne.